Değerli misafirler, bugün 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlamak için bizlerle beraber olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Bugün önce Sayın Cumhurbaşkanımızın Zafer Bayramımız için, 30 Ağustos için göndermiş olduğu mesajı sizlere okuyacağım. Sonra da birkaç kelime Fransızca'da diğer misafirlerimize hitaben konuşacağım. Chers invités, soyez les bienvenus. Nous sommes heureux, honorés de vous avoir tous pour fêter avec nous notre fête de la victoire. Je vais tout à l'heure lire le discours de notre président de la République et en turc, puis ensuite vous dire quelques mots en français aussi. Nous allons commencer avec nos hymnes nationaux. Pour poursuivre ensuite avec le texte du discours de notre président. Je vous invite maintenant à écouter les hymnes nationaux avec nous. Quelques mots en français aussi. Et merci d'avoir écouté le message de notre président de la République. Vous aurez le texte en français, si vous le souhaitez, sur notre site internet. Mais comme vous le savez, comme nous en avons parlé aujourd'hui, nous fêtons la fête de la victoire. Cette victoire en 1922 qui a permis à la Turquie moderne de se créer, d'exister. C'est d'ailleurs pour ça que un peu plus d'une année après, la République de Turquie a été fondée. Donc cette année, nous fêtons la 101e anniversaire de notre victoire, mais au mois d'octobre, avec, j'espère, votre participation, nous allons surtout fêter le centenaire de notre République. Donc cette victoire qui a permis à la Turquie moderne d'exister. D'où l'importance de cette victoire. Mais un autre élément important de cette victoire, parce qu'une victoire est toujours obtenue face à un adversaire. Mais l'élément peut-être le plus important, c'est que nos adversaires de l'époque, aujourd'hui, sont nos alliés. Ce passé que nous avons eu ensemble, cette victoire qu'on a eue face à nos alliés d'aujourd'hui, a finalement abouti à un renforcement des relations
et nous sommes aujourd'hui alliés avec ces pays face auxquels, il y a 100 ans encore, la Turquie défendait son territoire. Donc, avec l'espoir que nos alliances perdurent et se renforcent. Et encore une fois, merci à vous tous d'être là pour fêter avec nous, nous soutenir en fêtant notre fête de la victoire. Soyez les bienvenus. Avant de vous inviter à goûter à quelques bonnes choses que notre cuisinier a préparées pour vous, deux informations personnelles concernant notre attaché militaire, le colonel Kemal, et aussi moi-même en tant qu'ambassadeur de Turquie à Paris. Commençons d'abord notre colonel, je me permets de dire, tout frais colonel, parce que ceux qui, parmi vous qui le connaissent depuis son arrivée à Paris, il était arrivé à Paris en tant qu'attaché militaire avec le grade de lieutenant-colonel. Et chez nous, les promotions des officiers se font toujours justement le 30 août. Mais pour que dans la cérémonie du 30 août, l'officier ayant son nouveau grade puisse être présent avec son nouveau grade, on lui accorde son nouveau grade la veille, le 29. Et hier, j'ai eu l'honneur, le plaisir d'accrocher une nouvelle étoile sur l'épaule de mon collègue, notre attaché militaire. Donc, avec votre permission, je veux féliciter le colonel Kemal pour avoir été promu au grade de colonel. Et puis, deux mots sur l'ambassadeur qui est en face de vous, qui vous reçoit aujourd'hui. La vie des diplomates et aussi des attachés militaires est prévue pour des séjours généralement de 4 années dans un poste, ou en tout cas 4 années à l'étranger. Moi, j'avais un peu triché en venant à Paris, parce que j'étais en poste en Tunisie en tant qu'ambassadeur. Mais au bout de seulement une année et demie à Tunis, mon ministre m'avait appelé pour me dire qu'il devait m'envoyer vers une capitale plus difficile. Alors, difficile à l'époque parce que à l'époque, nous avions des difficultés dans nos relations que nous avons quasi entièrement su dépasser. Je m'en félicite et je suis fier d'y avoir contribué un peu. Mais tout cela fait que moi-même, j'arrive à la fin de ma période de 4 années à l'étranger en tant qu'ambassadeur. Donc, c'est la dernière fois que j'ai l'occasion de vous recevoir tous. C'est la dernière fois que j'ai l'occasion de recevoir mon président préféré à Paris, le président Cambon, qui nous fait l'honneur de sa présence. Donc, juste en un mot, au revoir et merci pour tout le soutien que vous nous avez donné pendant cette période où, je pense, nous avons pu faire avancer les choses dans le bon sens. Voilà. Je vous dis au revoir personnellement, mais je vous dis bonne fête à tous, bienvenue, profitez de nos bonnes choses à manger dans le jardin. Merci.